Bonsoir et bienvenue à tous. Jeudi 11 mars, les titres. Les localités de trois circonscriptions en confinement strict à partir de minuit, du numéro 15 Avacois Phoenix jusqu'au 17 Kirkpeak Midlands. Les 24 entrées et sorties seront rigoureusement contrôlées. Cette situation illustrée ce soir avec une dame de 80 ans. Ses proches partent en quarantaine et elle se retrouve livrée à elle-même. Le ministre des Finances annonce un soutien pour ceux qui travaillent à leur compte et pour les employeurs. La Banque de Maurice, elle, va dégager un plan d'aide pour les différents prêts. Après 4 jours, le Lurong Yuangyu a pu enfin être extirpé des récifs de Pointe-au-Sable. Le bateau de pêche a été remorqué jusqu'à la rade de Port-Louis. Aucune fuite de fioul, une enquête est en cours pour identifier les raisons de cet incident. La communauté hindoue célèbre en ce jeudi le Mahashivratri. Elle entame depuis 18h la grande nuit de Shiva, mais aucun temple n'est ouvert aujourd'hui. Les prières et rituels sont suivis sur les réseaux sociaux. Nous démarrons avec cette mesure des autorités ce soir. Les Plaines Willems décrétées zone interdite. 56 cas de Covid-19 ce soir, 52 annoncés en conférence de presse et 4 nouveaux cas détectés ce soir. La carte électorale a été utilisée pour quadriller les circonscriptions 15, la Caverne Phoenix, 16, Vacois Floréal et 17, Kirkpeak Midlands. Les 24 entrées de ces 3 zones sous stricte surveillance. À partir de minuit, pas d'entrée ni de sortie, sauf pour des raisons exceptionnelles. La police placera des barrages routiers. Seuls seront exemptés ceux travaillant dans les services essentiels. Nous reviendrons dans un instant sur cette mesure avec les banques, les quincailleries qui ne vont pas opérer, ainsi que les bus et taxis qui ne seront pas de service. Alors vous l'aurez compris, Kirkpeak, Wootton, Forestside, c'est une zone rouge avec un nombre grandissant de cas. Illustration ce soir avec ce drame chez la famille Gunga de Forestside. C'est le 2e cluster, la famille qui avait organisé la cérémonie religieuse de dimanche dernier. Dans cette cour où vivent plusieurs familles, presque plus personne dans les maisons, tous en quarantaine ou à l'hôpital ENT. Et une grand-mère de 80 ans se retrouve seule ce soir. Elle est alitée, souffrant de plusieurs complications de santé et devant être toujours accompagnée d'un proche. Mais hélas, plus personne dans sa maison. Elle n'a pas été emmenée en quarantaine avec son fils. Celui-ci déplore cette situation et affirme que les autorités auraient dû porter assistance à sa mère. Il s'est confié à Télé Plus ce soir. Dimanche, c'est une cérémonie dans la cour contre moi et la famille Ganga. Oui, la famille Ganga, c'est une cérémonie. Mais finalement, banque qui me concerne, nous sommes virus, ça, nous finis à la quarantaine. Nous, alentour de la cour, là, nous faisons un test. Test là, il est négatif. Parce que moi, mon maman qui reste avec ensemble, nous, toute la famille vient contre nous. Sauf dans la prière, là, nous venons. Mais je ne joins, je ne tout. Il fait une certaine lien pour un alibi. Il fait ce test, il est négatif. Avec la ministère, il dit, vous prenez nous tout pour mettre la quarantaine. Mais moi, j'ai dit, moi, mon maman, troisième âge, 80 balles passé, parce que, pour la journée de la carte, si j'ai dit, comment vous faire? Si le ministère, d'accord, qui dit, prends mon maman, tout le monde, allez, il dit, moi, pas mal, il est là. Et il y a une madame qui dit, tu peux, oh, seulement, tu peux dire, moi, qui m'a bien allé, moi, bien allé. Mais là, mon j'ai dit, il a trouvé une alternative, j'étais, et mon option, je prends mon maman, je vais aller, mal aux autres. Sinon, mon maman va rester avec mon maman, ma maman va aller. Pour qu'il y ait un coup qui m'a pour faire. Il a déjà tiré 10 ans. Mais mon maman qui est resté sur lui. Il y a un éclairé à la main, ce qui est sur lui, ça veut dire mon maman. Mon madame. Ok, mais là, il n'est pas capable de bouler tout seul, comme j'ai ou maman. Il n'est jamais, il n'est pas capable. 84 dans l'année, il est bien allé là, oui. Les autorités ont été informées de la situation ce soir. Plus d'une dizaine de cas enregistrés dans cette même famille. C'est le plus important foyer ce soir avec une famille complète transférée dans un hôtel du littoral nord. Et si vous nous rejoignez à l'instant, 3 circonscriptions ont été décrétées zones interdites. L'annonce a été faite lors du point de communication du National Communication Committee. La situation extrêmement grave ce soir avec, je vous le disais, 56 cas de Covid-19. Kalesh Jagatpal a motivé cette décision. Pour apporter sa confinement en cours d'un pays, nous venons aussi
décide pour interdire l'entrée et sortie d'un endroit qui m'en fait diaou, c'est-à-dire l'ivédia dans circonscription numéro 15, circonscription numéro 16 et circonscription numéro 17, sauf pour un service qui est vraiment essentiel, qui est capable de rentrer et sortir. Sa décision-là, elle pourrait en vigueur jusqu'à nouvelle ordre. Nous pouvons toujours permettre une activité qui est strictement contrôlée dans l'endroit concerné, mais l'hypo bien limité. Parmi les nouveaux cas, 4 nouveaux adolescents issus du QPIP College. Il s'agit une nouvelle fois de collégiens de grades 8, 10 et 11, affirme le recteur du collège, Nitesh Siupal. Certains habitants de la région de Koulé, vous le savez, hier, 2 cas positifs ont été enregistrés, ce qui ramène le nombre de cas dans ce collège à 6 pour l'heure. Nitesh Siupal intervenait sur Radio Plus cet après-midi avec Jean-Luc Émile. Avec beaucoup d'attristement, nous l'apprenons ce matin, nous avons encore 4 cas au collège. Nous avons jusqu'à présent 4 cas encore. Mm-hmm. Donc nous en revenons à 6 cas. Nous avons 2 cas qui sont reliés dans la même classe, c'est-à-dire en grade 8. Et nous avons un cas en grade 10 et un cas en grade 11. Mais ce cas de grade 10 et grade 11-là, c'est 3 frères, au collège, un en grade 8, un en grade 10, un en grade 11. Mais quelque chose, c'est sûr que le ministère de la Santé, il prend en considération tous les enfants qui sont dans la classe concernée. En principe, sa 14e habite dans leur région de Kepib, au Koulé. Sa classe de extended stream là, sa 22 élèves là, il prend en considération avec effet immédiat, inclut les membres de la famille aussi. Et maintenant, il peut procéder, ce que vous me comprenez, il peut procéder pour un professeur qui travaille là-bas aussi, ça va là aussi peut-être, je vous prends une décision incessamment. La paroisse de Sainte-Hélène demande aux paroissiens de se faire tester suite à la conférence de presse aux informations données par le ministère de la Santé ce jeudi. Dans un communiqué émis ce soir, la paroisse de Sainte-Hélène demande à tous les paroissiens présents lors de la messe du samedi 6 mars dernier à 16h30 d'aller se faire tester. Le Danemark a suspendu par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19. Les autorités de ce pays invoquent des craintes liées à la formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées, notamment des cas de thrombose. Toutefois, l'Agence nationale de la santé du Danemark souligne qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas conclure à l'existence d'un lien entre le vaccin et les caillots sanguins. 2550 roupies, c'est la somme qui sera accordée à ceux qui travaillent à leur compte. L'annonce a été faite par le ministre des Finances cet après-midi. Le paiement sera effectué à partir du 20 mars prochain. Il faut savoir que le Wage Assistance Scheme, soit l'aide aux entreprises pour les 2 semaines de confinement, fait également son retour. Et concernant les remboursements de prêts, des pourparlers sont en cours avec la Banque de Maurice. Pour un self-employed, nous pouvons payer un montant de 2550 roupies à tout ban self-employed. Ce ban paiement-là peut effectuer à partir le 20 mars. Concernant ban remboursement prêt, nous pouvons travailler avec la Banque de Maurice pour différer ce ban paiement-là, capital ou bien intérêt. La Banque de Maurice peut venir très vite avec ban solution concernant sa banque de paiement là. Pour ban entrepreneur maintenant, nous mettons en place un guichet unique pour toute difficulté qu'ils peuvent rencontrer. À partir de lundi, je vais le website ministère finance pour gagner accès à sa guichet unique là et faire ce ban de léance. Très vite, ban institution concernée pour revenir vers eux. Nous pouvons travailler en sorte qui peinant un désordre qui crée au niveau ban entrepreneur, qui ban entrepreneur récit gain un dimoun pour répondre à ce ban difficulté. Plus de 500 entreprises ont reçu leur Work Access Permit ce jeudi, chiffre communiqué par l'inspecteur Shiva Kuten du Police Press Office cet après-midi. Sur 7000 demandes formulées auprès des autorités à travers la plateforme bsafemaurice.mu hier soir, plus de 300 demandes ont été rejetées après avoir mal rempli le formulaire ou par manque de précision dans les données fournies. Et il y en a plus de 7000 applications qui ont déjà fini recevoir. Et de ces 7000 applications-là, il y en a plus de 500 qui finissent process et finissent approuver, finissent valider. Il y en a un nombre de plus de 300 applications qui finissent rejetées
pour des raisons diverses. Par exemple, il y a une information qui n'a pas fini mettre comme un bizarre, ou bien un formulaire pas rempli d'après ben, l'instruction, et il rejeté. Il y en a qui rejeté automatiquement, il y en a qui rejeté après qu'il finit. Vers sa man information qui finit dans nos autres applications. Par exemple, il y a des gens qui ont BRN. Quand ils ont mis le BRN number, ils ont besoin de faire photo de ce BRN. Il y a là, nous pouvons avoir tout détail, si nous avons son nom, etc. Tout nous faire valider, sinon, nous ne pouvons pas. Restez avec nous, un policier a été testé positif à l'alcotest en plein confinement. On y revient après ceci. OVEC Virtual Education Fair on Tuesday, the 16th March 2021 from 10 a.m. to 2 p.m. for Australia, Asia, UK and Europe universities and from 6 p.m. to 10 p.m. for Canada and USA universities. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC or laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une soixantaine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. OVEC is an international awards winner. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Content l'inné de fin exilé, zen vision locale. Nico Dantique, Ménine Maurice, faire nous la vibrer. 10 bananes, moi compagne, je 10 bananes. Il y a un instant, en plein confinement, un policier a été testé positif à l'alcotest ce matin à Pamplemousse. Circulant à moto, le constable, âgé d'une trentaine d'années, a été filmé par des badauds au moment où il s'est arrêté. Cette vidéo que vous voyez circule actuellement sur les réseaux sociaux. On le voit sans masque de protection et même pas de casque. Ses collègues l'ont interpellé. Il a été placé en cellule de dégrisement. Plusieurs preuves déjà récoltées par l'équipe du capitaine Noël et le Central CID après le naufrage du bateau de pêche chinois sur les récifs de Pointe-aux-Sables dimanche. Une affirmation du ministre de la Pêche, Soudir Modou, face à la presse cet après-midi, soit quelques heures après que le navire Lurongan Yu a été enlevé des récifs et escorté par un remorqueur de la MPA jusqu'à la rade de Port-Louis. Je vais finir ce document pour l'enquête préliminaire qui finit commencé par le capitaine Noël, Hubert Noël, qui nous nomme lui pour présider cette enquête-là. Et mon cas, je ajoute que l'enquête finit commencé. Le capitaine Noël finit à l'inspecter le bateau, finit à collecter ban évidence ensemble avec Central CID depuis lundi dernier. D'après mon renseignement, le bateau a fini de subir un dommage, heureusement pas aussi grave que nous capables de fuir de l'huile. Alors le directeur de shipping, M. Donat, finit de donner une notice pour diter une bateau là. Et la bateau là, les sécurité, ok. Tout le monde d'équipage, pas pour qu'il quitte Maurice, pour besoin de l'enquête, tant qu'il n'a pas donné autorisation. Et fin tragique pour ouvrage de soy à la Flora cet après-midi. Cet homme de 28 ans a péri noyé dans un bassin de la localité. Le jeune homme aurait été victime d'une crise d'épilepsie et a fait une chute dans le bassin. Les éléments de la National Coast Guard ont repêché le corps de la victime. Le cadavre a été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria aux fins d'autopsie. La grande nuit de Shiva célébrée ce soir, cette année, cette soirée de prière est perturbée par la Covid-19. Pas de prière dans les temples, les fidèles prient à la maison, chez eux, l'eau sacrée recueillie du Ganga Talao versée sur leur shivling. Et ce soir, nous vous proposons un extrait d'un clip sur le Mahashivratri réalisé par Chandan Ramsahai. Come on.
Direction Rodrigue à présent, la ferme de l'État à Saint-Gabriel. Rodrigue, décrété restricted zone après la détection d'un cas suspect de fièvre aphteuse hier. Du coup, l'exportation du bétail vers Maurice a été suspendue jusqu'à nouvel ordre par mesure de précaution. L'Organisation internationale des épizooties a aussi été notifiée de ce cas suspect. Des prélèvements ont été effectués à des fins d'analyse qui se feront en France. En juillet 2017, une épidémie avait éclaté à Rodrigue et à Maurice et avait nécessité l'abattage de plusieurs milliers d'animaux car plusieurs dizaines de fermes avaient été contaminées. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actu demain avec l'info soirée présentée par Émilie Payenne. Très belle soirée à vous et prenez soin de vous.